T1, donc je vous souhaite vraiment à tous une très bonne année, vraiment la santé avant tout, d'avoir la santé, la pêche pour cette nouvelle année, en essayant d'oublier quand même 2020 qui était une année magnifique sur certains aspects et tragique, un peu lourde aussi sur d'autres. Hein. Je pense qu'on a tous passé une année un peu particulière, exceptionnelle sur pas mal de points. Et donc non, franchement, je souhaite que 2020 soit oublié et que 2021 soit une meilleure année. Je vous souhaite le meilleur à tous, sincèrement. Et sur ces bonnes paroles, on va passer donc à la suite. Et donc, dans cette petite vidéo de fin d'année, hein, je voulais revenir un petit peu sur le développement de la chaîne YouTube. Et qui a pas mal progressé hein, sur 2020, il y a eu pas mal de points d'amélioration. Hein. Vous avez dû remarquer notamment qu'il y a un peu plus de travail au niveau des vidéos de présentation de jeu sur cet aspect-là. Donc je vais essayer de continuer à le développer pour 2021 parce que c'est un aspect que j'aime, hein, la partie rétro gaming, développement de ma collection de jeux rétro, beaucoup plus Néo hein, que sur les autres supports. Je pourrais revenir aussi sur la Mega Drive, mais je vais essentiellement me concentrer sur la Néo, hein, essayer de récupérer toujours les titres et tout, et essayer de les présenter. Et pour l'aspect de présentation, ou revenir sur les jeux, en parler, revenir sur certaines anecdotes, encore une fois, sur d'autres titres que j'aurais récupérés, essayer de vous proposer un peu plus de contenu et étoffer un peu les choses. Donc ça, c'est un aspect sur lequel je vais travailler hein, pour la nouvelle année. Et donc, en bonus sur cette petite vidéo, en montage, ça sera courte, mais bon. C'est de vous présenter trois titres. Pourquoi j'ai mis quatre titres? Non, c'est trois titres que j'ai récupérés. Vous voyez, je prends des notes, hein, d'habitude, je ne reprends jamais. Les vidéos sont toujours faites un peu à l'arrache, et justement, j'ai envie de travailler un peu plus cet aspect-là pour vous proposer un contenu plus propre. Et donc oui, trois titres que j'ai eu donc à deux reprises, que j'ai eu en double finalement. Et que alors pourquoi trois titres, pourquoi ces titres-là? Parce que c'est des titres que j'affectionne et donc je les ai récupérés en meilleur état, toujours plus complet, en me rapprochant toujours un peu d'un aspect neuf. Et donc j'ai revendu les anciens en fait, hein, qui ont limite financé les nouveaux. Et donc je vais vous les présenter dans cette petite vidéo. Et il y aura un aspect aussi question, il y a eu 2-3 questions qui sont revenues assez régulièrement, que ce soit sur ma page Facebook ou sur ma chaîne, dans lesquelles vous êtes venus un petit peu me parler, et donc j'apprécie, hein, j'ai fait pas mal de petites rencontres en plus, c'était cool. Et donc je vais essayer de vous répondre sur 2-3 questions que j'ai eu assez fréquemment, on va dire, notamment sur l'aspect rétro, toujours. Et donc, pour la petite partie de cette vidéo, un peu un bonus, hein, je vais revenir sur des jeux que j'ai repris et donc revendu les anciens. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je recherche toujours les titres originaux, quoi qu'il arrive. Hein, j'ai aucune conversion ou quoi que ce soit dans ma collecte. Il y en a un ou deux dont je me suis séparé, notamment un qui était entre guillemets une converte, hein, c'était le Breakers Revenge qui m'a servi à financer une partie du Smell 3, mais sinon voilà, je récupère que des jeux originaux, hein. Je ne garde que les originaux, je n'achète pas de convert en fait, hein. Ce qui est plus dur. Donc le marque MOTW, je l'ai racheté une deuxième fois et donc l'ancien je l'ai revendu, hein. Ça servait à financer notamment les titres à chaque fois. Et donc pourquoi? Parce que celui-là il est quasi neuf. En fait, hein, il n'a rien, il est tout neuf et il est complet de chez complet. Donc toujours un. Là c'est plus l'aspect collecte de la vidéo. Et donc voilà, je veux revenir sur ces titres. Là c'est toujours hein, dans un but assez rapide, mais je vais revenir sur ces titres hein, pour l'aspect gameplay en y jouant, en vous les présentant de manière plus complète, parce qu'ils le méritent, hein, parce que c'est vraiment des jeux que j'aime. Et donc ça je le ferai dans une autre vidéo. Je pense que le Markov viendra très prochainement. Hein.
C'est en tout cas une de mes envies. Et donc voilà, ouais, c'est les autres jeux avec quelques petits défauts. Là, c'est un peu la folie de la collection, c'est que ben voilà, j'ai essayé de faire en sorte de les récupérer toujours pour certains titres dans un aspect nickel. Cartouche. Et donc le petit livret avec sa petite red card. Et le MOTW hein, qui est l'un des meilleurs titres de la Neo, que je recommande à tous sur aujourd'hui dispo sur énormément de supports accessibles à tous, et franchement je vous recommande, on va y revenir sur ce jeu parce que c'est une bombe atomique. J'ai pas besoin de le présenter réellement hein. Je pense que tout le monde a déjà eu approché, entendu parler de ce titre, c'est un mythe. Donc là c'est vraiment le petite présentation, aspect collection, amélioration, upgrade on peut dire hein, du jeu. Donc là on revoit les persos. Les boss. Donc voilà, il y avait le MOTW donc que je voulais absolument en parfait état, encore meilleur en tout cas que d'autres. Il y avait le Real Boot 2 également qui a subi que j'ai eu en double du coup, et j'ai revendu mon ancien exemplaire pour celui-là qui était que je recherchais en mint hein. Donc complet également, donc la cartouche, toujours la red card, j'ai conservé les factures également, c'est vraiment l'aspect collecte hein. De la vidéo. Donc la règle également. La grosse cartouche, le livret. Qui est mon meilleur opus de la série Fatal Fury. Je vous avais déjà montré brièvement dans un petit trailer réception. J'y reviendrai également sur ce titre. C'est un des titres que vous verrez sur la chaîne prochainement parce que il le mérite hein. Je vais essayer de les développer un peu à la manière d'un Last Blade hein, que je vous avais présenté dans une phase de gameplay sur la chaîne. Donc là le petit livret, toujours un peu tristounet mais bon. Voilà, petite vidéo bonus rapide hein, avec également la cartouche. Il y a des vendeurs vraiment très pro encore en 2020, hein, je les remercie parce que franchement ils blaguent pas sur les annonces et ça fait plaisir de recevoir à la maison les titres dans un état proche de celui de l'annonce et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, surtout vu les coûts. Hein. Et donc je voulais le présenter, hein, celui-là, je vous en avais déjà parlé également brièvement. Hein. Le Last Blade 2 que je ferai également dans la chaîne. Vous verrez celui-là un peu plus en détail. Et le Last Blade 1 du coup hein, que j'avais récupéré, qui était le premier jeu de ma collection avec Sam. Samurai Spirit 4 et KOF 96. Là voilà, celui-là, petit upgrade également, je l'ai récupéré dans une version plus complète. Pass and Fade. C'est un peu la maladie de Last Blade, hein, j'ai l'impression, du 1 en tout cas. Et donc complet, j'ai le ticket, j'ai la red card, hein, là j'ai tout également. Je voulais absolument. Last Blade, vous commencez un petit peu à me connaître pour ceux qui me suivent, hein, c'est une de mes séries
l'une de mes séries favorites sur le support. Donc voilà, petite présentation rapide de ces jeux que j'ai rachetés et que j'ai récupérés dans un état vraiment parfait pour la collecte. Et donc pour l'aspect jeu, je vous ferai des vidéos, notamment pour l'aspect plus joueur. Du coup, je vous ferai des vidéos de présentation de ces jeux avec une phase gameplay un peu plus développée que d'habitude, pas juste un unboxing. Je verrai après à les intégrer, j'essaierai de développer un petit peu la chaîne sur ces aspects-là. Et donc, dans la dernière partie de la vidéo, je reviens sur quelques questions que j'ai eues régulièrement lors de mes échanges avec vous, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et donc, j'en ai retenu trois qui revenaient très régulièrement. La première, donc, c'est l'argent investi dans la collecte. Il y a eu beaucoup de questions, je pense que dans l'univers de collection en général rétro, peut-être même plus néo, il y a énormément de personnes qui s'intéressent à cet aspect-là, ce que je peux comprendre, je peux comprendre de toute façon tout le monde, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas répondre à cette question, parce que ce n'est pas un aspect que j'ai envie de développer en fait. Je vais y répondre d'une certaine manière. Vous pouvez imaginer à partir du moment où je cherche les jeux que originaux, dans leur version originale, authentique, et que ce soit en Jap ou US. Alors moi je favorise le Jap pour d'autres raisons, mais voilà, vous pouvez après aller sur internet. Moi c'est essentiellement sur eBay ou dans les boutiques ou à travers la chance de rencontrer des vendeurs qui passionnés qui revendent leur ancienne collecte. Et là du coup c'est là où j'ai fait mes meilleures affaires de toute façon. Et voilà, beaucoup sur eBay, vous pouvez avoir une idée en cherchant un petit peu les titres. Et vous ferez une idée de ça. Il n'y a pas de convert, c'est vraiment essentiellement de l'original. Je recherche et je travaille que sur cet aspect-là. Donc je vous laisse après faire vos recherches pour ceux que ça intéresse. Donc la question numéro 2, et là je ferai un petit montage pour y répondre, c'est Jap ou US ? Du coup, je la mettrai parce que la réponse rejoint moi ce que j'aurais en tout cas dit ou répondu. Attends, Mimi. Deuxième match, viens voir. Et donc. Plus Japon ou États-Unis ? Japon. Ouais, mais toi, lequel tu préfères? Lui. Encore lui. Quand même plus Jap? Oui. Lui. Toujours plus Japon? Pourquoi? Préfère. Oui, il est beaucoup plus stylé que celui truc. Ok. Je t'ai payé ou pas pour la vidéo? Non, vous savez ce qu'on dit? La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Merci, Mimi. Et donc, la troisième question, alors c'était pas forcément dans le bon sens, mais la troisième question, c'est quelle affiche, entre guillemets, quelle pochette je préfère dans ma collecte. Alors je pense que les questions sont, pour ceux avec qui j'échangeais, c'était essentiellement basé sur des jeux de Néo. Donc j'ai pas forcément de réponse précise parce que j'arriverai jamais à me décider. Je vous mettrai la réponse dans la continuité de mon fils. Il tient de papa, je pense qu'il a très bon goût. Mais moi, pour ma part, je pense que la pochette préférée sur les titres Néo, notamment en Jap, c'est celle du Real Boot 2. Pour moi, c'est celle que je mettrai le plus en avant. Hein. C'est peut-être celle que je préfère. Ouais. Après, franchement, c'est très dur de se décider. J'ai mis un peu ceux que je préférais là derrière, mais je pense qu'on retiendrait, plus Real Boot 2. Hein. Pour moi, je la trouve en tout cas super classe. Celle du Fatal Fury 3 également, mais
Je mettrais plus en avant, ouais, Fatal Fury et Hellblade 2, quoi. Ça serait ma préférée. En tout cas, celle que je préfère. Donc voilà. Il y avait une question qui revenait souvent. On s'est même amusé un peu sur certaines vidéos à le faire, déjà directement, mais c'est le classement, un top 5 ou un top 10 de mes jeux. Donc j'ai un petit peu répondu à ça durant l'année, parce que je vous ai mis, quand j'ai réceptionné les jeux que je préférais sur l'année, en tout cas mon top 5, vous l'avez à peu près. Il me semble qu'il reste le cinquième jeu d'ailleurs. Mais ça mériterait une autre vidéo directement. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire en vidéo de fin d'année, début d'année 2021. Et donc je vous souhaite encore une fois une bonne année, le meilleur. Et on se voit très bientôt sur d'autres vidéos rétro jeux, rétro game, hein, ou alors peut-être dans les vidéos Urbex également, parce que ça j'ai toujours pas lâché, hein, j'essaierai de vous en proposer avec le confinement, c'est un peu compliqué, mais bon, ça sera peut-être des vidéos Urbex, des vidéos de présentation, partie rétro, ou d'autres vidéos encore que j'essaierai de travailler un peu plus sur la chaîne. Voilà ce que je pouvais vous dire, je vous dis à bientôt, et profitez de vous et de vos proches, et gardez la pêche. Ok, petit test donc. Mimi, dis-moi, parmi les 4 jeux que tu vois devant toi, quel est celui-là qui a l'affiche la plus belle? Celui-là. Lequel? Celui-là. Bon, ok. Pourquoi? Il est beau. Et que je le trouve stylé, celui-là. Ok, d'accord. Et les autres? Celui-là. Après celui-là, et le dernier, c'est celui-là. Ok, c'est celui-là que tu préférais, que t'aimes le moins, toi? Oui. Bon, ok. Je suis sûre que le jeu est bien, mais j'aime pas la couverture. Non. Ok. Bon, c'était Mimi. Merci, Mimi.